J'ai l'habitude de me battre dans une cage. Le 9 décembre, ça fera 13 victoires. Je m'appelle Marko Kovacevic, j'ai 33 ans et je suis combattant professionnel de MMA. Alors, je suis né en Serbie, j'ai grandi à Genève et ça fait depuis 2015 que je vis à Neuchâtel. J'ai commencé le full contact en 2005. Ensuite, depuis le full contact, je suis passé au Sambo en 2007. C'est là-dedans en fait que j'ai découvert le MMA. J'ai fait mon premier combat de MMA en amateur, c'était en 2008. À partir de 2012, j'ai commencé à venir depuis Genève sur Neuchâtel pour m'entraîner à la Fight Move. Et en 2012, j'ai fait mon premier combat pro. Et puis, depuis 2012, je fais des combats pro. Là, j'ai 12 victoires, 3 défaites, 1 match nul. Et le 9 décembre, ça fera 13 victoires. Le dernier combat c'était en septembre 2019, donc il y a 4 ans. J'ai combattu pour la ceinture du Cage Warrior, c'était un tournoi à 4. J'ai passé le premier tour, j'ai perdu le deuxième et depuis j'ai pas recombattu. Ça fait 4 ans maintenant. Mon prochain combat c'est le 9 décembre à Neuchâtel à la Riveraine au Lions FC 10. Mon adversaire c'est un Brésilien. Je connais pas grand chose de lui, mais bon, voilà, j'ai l'habitude de me battre dans une cage, donc ça change pas grand chose pour moi. Il n'y a rien à dire en termes de préparation, c'était une très très bonne préparation. Ça fait déjà plusieurs semaines que je suis en forme, donc j'ai juste maintenu la cadence jusqu'au 9. Donc psychologiquement je suis prêt. Alors ça fait 4 ans que j'ai pas combattu, mais c'est vrai que je ressens pas spécialement plus de stress que d'habitude. J'aimerais remercier Nelson Carvalho pour ce Lions FC 10 qui l'organise le 9 décembre. Aussi pour le côté coaching, on a une très bonne préparation. J'aimerais remercier mes partenaires d'entraînement. J'aimerais remercier ma famille qui vient de me voir le 9 décembre, tous les gens de près ou de loin qui me soutiennent, encore une fois tous les gens qui étaient autour de moi pour cette préparation. Et dernièrement, j'aimerais me remercier moi, parce que si je viens pas me battre le 9 décembre, moi et les autres, vous n'avez pas de spectacle.